Bien, on s'est établi dans Charlevoix, nous, il y a 40 ans, à l'ouverture du centre commercial. Mon père, Gilles, et mon frère Pierre, qui sont venus dans Charlevoix, ont regardé le potentiel de la région et tout ça. Puis on a décidé, il y a déjà 40 ans, de s'établir dans Charlevoix. Et on a évolué à travers les technologies, là, parce qu'il faut dire que la technologie de la photo a évolué énormément, énormément. Maintenant, aujourd'hui, on développe à partir de cellulaires et tout ça. Donc, c'est le cheminement que l'entreprise a suivi. C'est un mouvement qu'on a adoré. D'ailleurs, c'est le seul magasin qu'on a conservé à travers les années. On a fait des fermetures, des restructurations et tout ça. Et le seul commerce qu'on a conservé qui est vraiment la perle de la compagnie, c'est celui de la Malbaie. 1975, on s'est établi dans on a loué le local sur les plans de construction du centre commercial. Donc, il n'était pas... On a changé trois fois de place pour arriver à l'endroit où on est présentement dans le mail principal avec la superficie qu'on a présentement. Oui, bien, le commerce de détail a changé énormément, énormément dans les 40 ans. La population a changé, le commerce de détail a changé. Et aussi, pour ce qui est de mon secteur, la technologie a changé énormément. Donc, ça a été une adaptation, je vous dirais, à toutes les 5 à 7 ans. Une adaptation de technologie, une adaptation au niveau de la clientèle aussi. Qu'on parle de développement de photos noir et blanc, qu'on parle de développement de photos couleur, qu'on parle de... Donc, ça a été une continuelle adaptation au niveau de la clientèle aussi, parce que la clientèle, comme partout en région, a changé. La téléphonie, là, maintenant, on rejoint tous les âges. La téléphonie cellulaire, maintenant, c'est des enfants de 10 ans. Aller aux personnes d'un certain âge, qui peuvent avoir 70 ans, peu importe. Mais ça, on rejoint tous les âges. On rejoint le même bassin de clientèle qu'on rejoignait lorsqu'on était dans le domaine de la photographie. C'est juste qu'on a changé de produit. Vous allez avoir le scoop parce que j'ai mon fils qui est arrivé depuis le début de la semaine avec moi. Donc, mon fils est en formation, va prendre le marché affaires et petites entreprises au niveau de la téléphonie. Une formation qui va aller jusqu'au mois de janvier. Et par la suite, ben, c'est la relève qui commence à venir. Et on est très, très fiers parce que c'est un petit couple qui était à Québec, qui travaillait à Québec et on a réussi à les ramener ici. Donc, c'est peut-être un petit, en déposant quelques petites semences comme ça, qu'on va réussir à ramener nos jeunes dans Charlevoix. Puis je pense que tout le monde peut le faire, ça.